C'est grave prévu, hein. C'est grave prévu, j'ai archi oublié ça. En fait, je voulais y aller là direct quand je me lève, mais en fait, j'ai mon cours d'anglais. Et il est 37 et j'ai mon cours d'anglais quand même à 1 heure. Donc, ça va être just, quoi. Je pourrais pas aller revenir, c'est impossible parce que déjà, juste pour y aller, j'ai 25 minutes de route, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon cours d'anglais et après mon cours d'anglais, je fonce direct. Là, j'ai encore un peu de temps jusqu'à mon cours d'anglais, c'est pour ça que je fais ma skincare du matin. Mais ouais, après mon cours d'anglais, je fonce direct. Celles qui l'ont plus, je vous remets un code. Celles qui l'ont pas, je vous explique et je vous mets le code que vous m'avez demandé. En tout cas, c'est de la bombe atomique. Ça vient de la skincare coréenne. C'est de la marque Beauty of Johnson. J'ai aussi ma crème solaire que je mets tout le temps, les filles, vous voyez. Ça dure hyper longtemps parce que vous le faites pas tous les jours, hein, le masque. Vous le laissez poser, c'est à base d'haricots rouges. C'est naturel, c'est sans parfum. Ça enlève tous les points noirs, bah, vous voyez. Il n'y a pas de points noirs. Ça fait quoi encore? Ça enlève 30% d'excès de sébum, ça rend la peau lisse, toute douce. Élimine tous les points noirs, tous les points noirs et les impuretés, les filles. Vous le faites pas tous les jours, du coup, il vous dure hyper longtemps. Élimine tous les points noirs, tous les points noirs et les impuretés, les filles. Vous le faites pas tous les jours, du coup, il vous dure hyper longtemps. Élimine tous les points noirs. Crème solaire, bombe atomique, c'est pas qu'une protection, c'est aussi un PA++. Les filles, vous-même, vous l'utilisez en base. Les filles, il y en a d'entre vous qui l'utilisent en base. Vous me l'avez dit la dernière fois, rappelez-vous. En base de maquillage, en fait, c'est pas parce qu'on s'expose pas qu'il faut pas mettre de la crème solaire. La crème solaire, faut en mettre même à Paris, en Europe, tout. Tout le temps, faut mettre de la crème solaire, les filles, parce que sinon, ça agresse la peau. Ben, regardez, il y en a qui l'utilisent en base de maquillage. Soit vous la mettez crème solaire et vous mettez votre base de maquillage et vous vous maquillez. Ou soit vous mettez votre base de maquillage qui est celle-là du coup. Et du coup, bah, ça vous dure hyper longtemps et ça vous protège en même temps. En tout cas, celle-là, moi, je m'expose avec. Je la donne même à Mino quand elle est à la plage avec moi. Demandez-lui. 10 sur 10, 10 sur 10, celle-là, les filles, il m'en reste encore. Et j'en mets tout le temps. Elle hydrate, elle laisse aucune trace blanche. Aucune trace blanche pour tout type de peau. Regardez les filles, j'ai plein de trucs qui viennent de Corée, les filles, de la skincare coréenne. Donc mon petit masque, c'est le best-seller. Celui-là, les filles, vous le connaissez toutes. Et lui, je le fais. Quand j'ai des points noirs, je le fais. J'ai des masques là, celui-là, je vais le faire. J'ai ma crème solaire que je l'utilise tout le temps. J'ai ma crème pour les mains. Et c'est très très bien. Et c'est très très bien. Le code que je vais vous mettre, les filles, c'est sur le site de Rose Cosmetics comme la dernière fois. La dernière fois, je vous l'ai mis, les filles. La livraison, ça vient direct de Corée, les filles. C'est authentique.
Ça vient direct de Corée. Elle est de 4 à 5 jours. La livraison, vous recevez quand vous commandez. Juste celui-là, il va prendre plus de temps, les filles, parce que vous l'avez mis en rupture de stock. Il va juste prendre plus de temps, genre plus que 4-5 jours, mais vous allez le recevoir rapidement quand même. Ça va pas prendre 20 jours, ni 15 jours. Vous allez le recevoir rapidement quand même, mais il va prendre plus que 4-5 jours. C'est tous les autres produits. Ils arrivent en 4-5 jours, mais celui-là, il est très demandé, les filles. Il est un best-seller, vous l'avez fait rupture. Il prend un peu de temps. Elle a fait un dernier site. Tout est authentique chez elle, les filles. Elle a du choix. Et elle vous fait même des diagnostics. Sur son site, vous pouvez faire un diagnostic, genre votre peau, elle a besoin de quoi? Genre votre peau, c'est quoi? Vous avez quoi comme problème, etc. Elle vous fait le diagnostic gratuit. Et vous pouvez même la contacter sur son. Les réseaux sociaux, les filles, vous mettez le nom et genre sur son Snapchat là, sur son Insta, elle l'a mis sur dans sa story Snap. Elle vous répond à vos questions si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il vous faut pour votre peau. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, c'est Abonné. l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, c'est Abonné. l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Presque. Subscription, c'est l'abonnement, et subscriber, Abonné. c'est l'abonné. Dauphiné, or interesting thing happen to you a lot. Do you think hundreds of thousands of people will want to listen to you tell story about your life?
All right. So quand je suis sortie, mon frère s'est réveillé, il a entendu la maison. Il m'a dit, mais tu vas où? Je lui ai dit, je vais chercher le petit déjeuner, surprise. Il a dit, ah ok. Je pense pas, il va le tirer, même si il le tire, il va tirer le petit déjeuner. Donc. En tout cas, Emile, il s'est pas réveillé du tout, du tout, du tout, du tout. Et puis, je me barre. J'ai pas vu vos commentaires. J'ai vu vos commentaires quand je vous ai montré la tenue, mais pas portée. Après, je suis sortie direct. Là, si je re-rentre, il va se réveiller, c'est sûr. Il faut que je me barre. Je peux pas mettre les nénés. C'est soit les nénés, soit le. Je vais voir la carte. L'hôtel, c'est quoi? Les filles, la carte. Les nénés, plus tard. No, I want to know what name. No, what name this card is? On va voir. Je ne veux pas me donner le nom de la carte, les filles, elle m'a dit c'est pas possible et tout, on ne peut pas donner les informations. Je monte en haut à l'étage, il y a une deuxième réception, peut-être eux ils voudront. Je ne veux pas me donner le nom de la carte, les filles, elle m'a dit c'est pas possible et tout, on ne peut pas donner les informations. Je monte en haut à l'étage, il y a une deuxième réception, peut-être eux ils voudront. Je ne veux pas me donner le nom de la carte, les filles, elle m'a dit c'est pas possible et tout, on ne peut pas donner les informations. Je monte en haut à l'étage, il y a une deuxième réception, peut-être eux ils voudront. Je veux pas me donner le nom de la carte, les filles, elle m'a dit c'est pas possible et tout, on peut pas donner les informations. Je monte en haut à l'étage, il y a une deuxième réception, peut-être eux ils voudront. Je veux pas me donner le nom de la carte, les filles, elle m'a dit c'est pas possible et tout, on peut pas donner les informations. Je monte en haut à l'étage, il y a une deuxième réception, peut-être eux ils voudront. Je veux pas me donner... Hello, you can tell me what name this card, please? Yes. Mohamed? No, I don't know. I don't have. I have only card. No. For my husband, I want to see I have or no. Yes. Town? Okay, thank you.
réfléchi tout le long de la route, les filles, je suis arrivée. J'ai demandé à la réception du bas tout ce que vous m'avez dit. Ils ont pas voulu. De base, elle m'a mis du suspense, la meuf, parce qu'elle est partie parler à quelqu'un. Elle a pris du temps et après, elle est venue me le dire que c'était négatif. Elle a dit « I can't ». « I can't », ça veut dire « je peux pas ».« Not allowed ». Genre, je crois que c'est interdit, ça veut dire. La carte, je lui ai dit « non, mais je dis moi et toi ». Elle m'a dit « non, faut que tu me donnes le numéro de chambre ». Et je peux te dire c'est à qui. Elle m'a dit mais sans numéro de chambre je peux pas. J'ai voulu demander à l'étage aussi. Je me suis dit c'est une autre réception tranquille. Ou toujours ce que vous m'avez demandé. Pareil. Pareil pareil. Je me dis c'est soit en fait je me dis j'ai toute la journée pour réfléchir. Soit je lui en parle ou soit bah, je laisse. Je lui en parle mais comme hier, je vous ai dit, peut-être il pourra trouver une excuse. Or que j'attends, je fais comme si de rien n'était, je la garde. Je la rends pas la carte, je la garde en dessous de moi. Et quand il est pris sous... Après j'ai quand même toujours mon face ID les filles. Hein. Quand il est pris sous le moment, sur le moment là, bah je peux lui sortir aussi cette carte. Et je pourrais lui dire, bah, c'est pas la première fois que tu m'as trompé. Si je trouve quelque chose, c'est pas sûr les filles, mais si je trouve quelque chose. Parce que peut-être, enfin, je sais pas, les filles, voilà. En fait, il y a mon cœur qui me dit, mais tu dis n'importe quoi, t'as un west-west de ouf. Tu t'inventes des vies et tout. T'es parano, c'est juste lui veut son intimité. Et il y a ma tête qui me dit, non, faut quand même, tu s'il réagit comme ça, c'est qu'il cache quand même un petit truc. Puis il y a vous aussi qui me dit, c'est qu'il cache quand même un petit truc. Faut que tu cherches, faut que tu découvres. Donc, bah, de toute façon, je vais tout faire pour découvrir. Je trouve. Et je vais craquer cette carte aussi en plein nez. Je ne trouve pas, bah, je m'aurais trompée. Je ferais comme si de rien n'était, incognito. Bah, j'ai jamais fait mes recherches, tranquille. Voilà. C'est juste, faut pas que je me fasse griller. Ce matin, les filles, je pouvais prendre son téléphone en soi, mais s'il se serait réveillé, il aurait accusé mon frère. Ou mon frère, il se serait réveillé. Bah, j'avais peur, il me balance mon frère, parce que mon frère, il tient pas avec moi, du coup. Hier, il l'a dit. Donc maintenant, faut que je fasse attention aux deux, en fait. Soit mon frère, soit M. Ouais, je vais faire comme si de rien n'était, là. Je vais dire que j'ai pris le petit déjeuner. Mais il est où, le petit déjeuner? J'ai parlé du petit déjeuner. Je veux dire que c'était fermé. J'ai oublié, en fait, parce qu'au final, je suis pas partie, j'ai récupéré un déjeuner. Les filles, je vais dire que c'est tout rempli. Il y a trop de gens à Dubaï, c'est grave rempli. Je vais dire ça, je m'en fous. J'ai oublié en fait parce qu'au final je suis pas partie, j'ai récupéré un déjeuner. Les filles, je vais dire que c'est tout rempli, il y a trop de gens à Dubaï, c'est grave rempli. Je vais dire ça, je m'en fous. J'ai oublié en fait parce qu'au final je suis pas partie, j'ai récupéré un déjeuner. Les filles, je vais dire que c'est tout rempli, il y a trop de gens à Dubaï, c'est grave rempli. Je vais dire ça, je m'en fous. J'ai oublié en fait parce qu'au final je suis pas partie, j'ai récupéré un déjeuner. Les filles, je vais dire que c'est tout rempli, il y a trop de gens à Dubaï, c'est grave rempli. Pour ça, les filles, faut qu'on découvre et faut qu'on le prend. Psh, effet surprise. Pour ça, les filles, faut qu'on découvre et faut qu'on le prend. Psh, effet surprise. Pour ça, les filles, faut qu'on découvre et faut qu'on le prend. Psh, effet surprise. Pour ça, les filles, faut qu'on découvre et faut qu'on le prend. Psh, effet surprise. Pour ça, les filles, faut qu'on découvre et faut qu'on le prend. Psh, effet surprise. Pour ça, les filles, faut qu'on découvre et faut qu'on le prend. Psh, effet surprise. Pour ça, les filles, faut qu'on découvre et faut qu'on le prend. Psh, effet surprise. Pour ça, les filles, faut qu'on découvre et faut qu'on le prend. Psh, effet surprise. Pour ça, les filles, faut qu'on découvre et faut qu'on le prend. Psh, effet surprise. Pour ça, les filles, faut qu'on découvre et faut qu'on le prend. Psh, effet surprise. Pour ça, les filles, faut qu'on découvre et faut qu'on le prend. Psh, effet surprise. Pour ça, les filles, faut... Dernière fois que je suis partie dans cet hôtel-là, les filles, il y avait moi, Jenna et sa sœur. On était venus en vacances ici à Dubaï l'été dernier. Mais les filles... Il n'y avait pas, c'était pas cette carte-là. Ils changent de carte toutes les années. Ça n'a jamais été cette carte-là. C'était une carte toute blanche ou beige, je crois. Ça, là, il n'y a aucun nom. Il y a une femme. Ça a jamais, je ne la connaissais pas, cette carte-là. Et les filles, vous savez, dans l'hôtel-là, c'est une grande tour. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de chambres. Je ne peux pas faire ça. Et déjà, je crois, pour rentrer juste... j'ai pris l'ascenseur de la réception, mais pour rentrer dans l'ascenseur des chambres, il faut à chaque fois scanner la chambre. Ah, mais si je scanne, je peux savoir l'étage. Alors là, les filles, j'ai eu un tilt dans ma tête. Vous savez, les filles,
Faut que j'esquive le mec. En fait, regardez, je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Mais vous allez comprendre. Là, j'ai une autre idée. Là, on a une issue là. Vous savez ce qui va se passer? Quand tu montes à la... En fait, il y a une réception en bas. Ok, j'y étais, ils m'ont recalé. J'ai pris une ascenseur qui mène à une réception de en haut et à une piscine. J'ai fait la réception de en haut, ils m'ont recalé aussi. Ils m'ont dit redescends en bas. Mais les filles, si tu continues tout droit, faut que tu passes quelqu'un de la sécurité. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Et il n'y a que les gens de l'hôtel qui peuvent rentrer avec cette carte ou les amis des gens de l'hôtel donc qui ont la carte comme moi. Par exemple, j'ai la carte moi. Et à chaque étage, il y en a 40, je crois, 50. À chaque étage, par exemple, si tu appuies sur l'étage 1 et tu scannes ta carte, si ça fait rouge, ça veut dire que ce n'est pas l'étage 1. Mais dans, tu tapes tous les étages et si ta carte, elle fait vert dans cet étage-là, c'est que c'est cet étage-là. T'es d'accord avec moi? Ça veut dire, les filles, ça va me raccourcir le travail. Je vais, si je veux continuer à chercher par rapport à la carte, je peux faire ça. Mais dans tous les cas, je n'aurai pas peut-être mes réponses. Mais ce que je peux faire, c'est que j'attends dans la nuit, tout à l'heure. Là, c'est impossible. Il va se demander chez où. Il va croire que je suis partie à la piscine. Tout, c'est impossible. Ce que je vais faire, tout à l'heure, les filles, j'attends ce soir. Ça va me faire tout le temps rouge, rouge, rouge. Et quand ça me fait vert, tring, ça veut dire que c'est cette chambre-là. Elle ouvre cette chambre-là. Et là, je vais voir c'est quoi la chambre. Voilà, c'est tout. C'est tout, la réponse à nos questions. Les filles, je vais faire ça. Et si je trouve rien, bah, je vais laisser de l'avoir en sursaut, genre pris en flagrant délit, comme ça, il n'y aura pas de preuves. Mais si ça ne marche pas ça non plus, je ne peux pas aller lui dire, tiens, la carte et tout, il va me trouver une disquette si c'est vraiment lui. Mais je ne sais pas si c'est lui ou pas, en vrai de vrai. En vrai de vrai, je ne sais pas si c'est vraiment lui. Donc, ce soir, on va comme trouver ça. On essaye, c'est notre dernière carte. Celle-là, c'est ma carte, mais c'est notre dernière carte de jeu, quoi. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah, j'attendrai flagrant délit jusqu'à ce que je fous chez le téléphone et tout. Avec le AirTag dans la voiture. Coucou tout le monde! Ça va? On doit t'attendre pour le petit déj, je crois. Bah, en fait, je suis partie vous récupérer un petit déj. Il est où? Bah, je vais t'expliquer, il est où? Ah, c'est bon, en fait, pour l'histoire, je vais me prendre pour l'instant, je t'ai vu. Regarde, on est en train de taper des Kellogg's. Bah oui, c'est bien les Kellogg's, mais moi je mangeais des Kellogg's toute ma vie, j'en mange tout le temps. C'est bien les Kellogg's. Je suis parti pour chercher un petit déj. C'est rempli comme ça de touristes. Il y a tout le monde à Dubaï là. Mais ça fait une heure que t'es sorti. Alors, oui, bah allez, retour. Alors, c'est même pas les vacances scolaires, c'est une semi-tour. Bah, mais déjà, c'est pas les gens qui vont en vacances scolaires qui vont. C'est pas automatiquement obligé que c'est les gens. Non, voilà que non. J'ai pas préparé. J'ai pas préparé deux prendre. Non, j'ai pas préparé de prank. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 40 minutes de route déjà juste pour arriver au petit déjeuner. Je l'ai vu sur TikTok, le petit déjeuner. Je voulais vous mettre max. Je suis désolée, il y a 40 minutes d'attente juste pour attendre. Faut pas abuser en fait. Vous avez commandé. Les filles a cramé, je vais partir récupérer le petit déjeuner. Mais là, ils croient que je suis partie préparer un prank ou qu'ils croient ça aussi. Tu veux, je m'en fous. Je préfère ça que la carte. Les filles a cramé, je vais partir récupérer le petit déjeuner. Mais là, ils croient que je suis partie préparer un prank ou qu'ils croient ça aussi. Tu veux, je m'en fous. Je préfère ça que la carte. Les filles a cramé, je vais marcher récupérer le petit déjeuner. Mais là, ils croient que je suis partie préparer. En fait, les filles, il y a deux fives. Là, il y en a trois de fives, les filles. Il y a le nouveau qui vient de sortir. Il y a le Palm, à la Palm. Et il y a le JVC. Et la carte, là, c'est l'hôtel du JVC. Le maquis est occupé avec moi. Et je lui donne un beauty blender pour qu'il joue au mode duo. Tiens, la fleur aussi, maman. Tu veux tout, toi. Tu veux le beauty blender et la fleur. Les filles, si je pourrais plus vous parler parce que j'aurais les bandes, peut-être je vais réussir, peut-être non, je sais pas. Putain, mon esprit bio aussi après. Regardez, si je peux vous parler, je vous parle, sinon, de toute façon, je vais à l'école, je vous écris. Bah non, pour les nettoyer. Ah oui, mais on va nettoyer là. C'est ça pour les nettoyer. L'eau va sortir direct, t'as capté ou pas? Ah ouais, ça y est, j'ai capté. Parce que moi je coupe et après je mets dans la bassine d'eau en attendant que je coupe les restes, c'est... t'as capté? Ouais, excusez-moi, Master Chef. C'est sûr, raconte. Gros, tu fais de la purée steak, gros. T'as cru que tu faisais un truc de ouf ou quoi?
Qu'est-ce que tu fais? Eh, c'est une sabote, surveille là. Vas-y, bouge de là, toi. Je suis en train d'éteindre le four. T'es malade, tu veux manger demain ou quoi, frère? De luxe. Donc, aussi, calme-toi, attends. Comment ça, calme-toi? Calme-toi. Wesh, tu crois que tu faisais un truc de ouf? Lustra, j'ai 12 ans. 12 ans d'avantage. Mais que t'es en train de faire, mais pas les pommes de terre sur la table. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Donne pas tout ton âme, frère. Tranquille, à l'aise. Hein. Y'a pas Philippe qui va venir te voir ou je sais pas quoi, gros. T'ouvre pas un resto, t'inquiète le sang. Là, s'il te plaît, là dans la mort, juste là, je le premier. Voilà. Non, wesh, tu prends des pistes là, gros. Bah viens, fais-le toi, tiens. Mais frère, c'est toi qui es en train de gérer ça, gros, c'est pas moi. Bah, toi, parle pas. Parle pas, non. T'as des fautes dans les épices, wesh, je vais aller aux toilettes toute la nuit ou quoi, gros? Frère, il est là, frère, il met tout le pot. Mais t'as des fautes, tu fumes, toi. Vas-y, j'ai ta cuisson là, au lieu de danser, gros. Bon, quand tu laves tes pommes de terre, tu mets du sel ou quoi? Je sais pas, débrouille-toi. Master Chef. Mais il va se détendre, Philippe, hein. Voilà. Quand tu laves tes pommes de terre, tu mets du sel, tu trouves que c'est de la viande ou quoi? Toi, t'es fou, toi. Comment tu parles? Débrouille-toi. Je te demande un conseil, je te demande un conseil. Tu gères tes pommes de terre. Arrête! Moi j'étais avec toi, moi. Ah non, c'est ça qui va aller. Non, non, c'est ça, on va les cuire d'abord. Ouais. Ah, ok, je capte. Donc détends-toi, calme-toi. Ah non, c'est ça qui va aller. Non, non, c'est ça, on va les cuire d'abord. Ouais. Ah, ok, je capte. Donc détends-toi, calme-toi. Ah non, c'est ça qui va aller. Non, non, c'est ça, on va les cuire d'abord. Ouais. Ah, ok, je capte. Donc détends-toi, calme-toi. Ah non, c'est ça qui va aller. Non, non, c'est ça, on va les cuire d'abord. Ouais. Ah, ok, je capte. Donc détends-toi, calme-toi. Calme-toi, Sahbi, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de me saboter. Hein. Tiens, c'est gamine. Tu veux pas aller faire un truc là-haut, voir si on est là-bas là-haut, c'est un truc. Regarde un peu pour voir si on est pas en haut, s'il te plaît. Je veux pas prendre la voiture, faire un tour. Mais va chercher des petits déj. Tes petits déj inventés là. Mais de base, vous êtes vous deux contre vous deux, maintenant vous êtes vous deux contre moi. On est à personne, il est content, c'est la vérité. Je suis stressé, je sens. Pas stressé, juste en regardant vite, c'est tout. Non, pas toi, mais ce qui t'a parlé, toi. Fais les choses rapides, il croit que. Non, s'il te plaît, là, arrête, tu seras. Tiens. Détends, relax, le sang. Relax. Et là tu me déranges. T'as pas intérêt à foirer la recette, ça. Ta soeur elle a foiré déjà une fois le Thermomix. Ça va, fais pas comme si que t'es jamais habitué à avoir démangé des repas foirés. Mais t'as dit que tu gères ça. T'as dit que tu dettes ça. Ouais, mais moi je vais dettes ça, c'est pas un problème. Moi aussi je vais dettes ça, frère. T'es fou quoi. Juste lui touche pas la main, laisse le bosser. Mais toi aussi tu fais quoi? T'es dérangeant, frère. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi, chez. Je vais enlever mes bandes, bye! Tu vas enlever tes bandes là? Ouais. Donne-moi s'il te plaît. Donne-moi s'il te plaît.
Donc là, je te ramène. Tu peux faire? Ouais, attends. Ouais, tu vas plus faire. Attends, attends, on va couper une heure que j'ai, mais je peux enlever dans le paquet. Je vais enlever mes bandes. Je vais les donner à mon frère, il va faire aussi. Waouh. 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 Je vais les donner à mon frère, il va faire aussi. Je vais demander qu'il nous fasse un avant-après des filles en lui donnant les bandes. Et je les donne pas. Bon. Non, je rigole. Tiens, Tupac. Mmh. Bon, vas-y, fais-moi un avant-après, un beau avant-après. Tu sais, tu fais quoi? Tu me prends une photo de tes dents avant. Tu poses les bandes. Tu laisses poser 30-40 minutes. Et après, tu les enlèves. Bah non, mais le temps, au moins le temps que ça cuit, au moins 30 minutes. Et après, tu les enlèves. Et quand tu les enlèves, tu prends en photo le après, le rendu. Comme ça, je vais montrer. Et moi aussi, j'ai envie de voir ton avant-après. Parce que moi, j'ai plus le temps des bêtes d'avant-après. Bah, on va voir. Attends, je vais tranquille, ouais, je suis en train de... Quoi? Vas-y, là, quoi? Pourquoi tu prends? Mais je voulais appeler ma mère. Là, va, reste là. Elle m'a bloqué, ma mère. Je voulais appeler avec ton tel. En tout cas, les filles, j'ai grave le seum, il a récupéré. Il voit tout, je grave là, il voit tout. Mais les filles, ma face IT, elle marche toujours. Ma face IT, et même là, il y a même pas... On va voir si papa il nous trompe. Et s'il nous trompe, bah t'auras un nouveau papa. Ah mon bébé. Ah mon amour. Si vous voyez le résultat en direct, c'est ces bandes-là que j'ai mis à mon frère. Les express, les coups d'éclat express, et c'est celle-là que j'ai mis sur moi. Les filles, vous avez vu le rendu sur moi et vous avez vu sur mon frère. Après, lui, c'est, je ne vais pas demander de tester les filles. Il l'a testé lui-même, c'est lui, ça lui donne envie. Il est choqué, les filles. Regardez, dans la box, vous avez quoi? Dans la box, vous avez quoi, les filles? Je vais vous mettre un moins 50%. Vous avez mon bébé, c'est celle-là. Là, le bain de bouche, vous mettez 3 pompes. D'éclat direct, donc le bain de bouche. Vous avez le sérum si vous avez un mariage, un anniversaire, un date. Hop, vous vous brossez les dents toute la soirée, toute la journée. Vous êtes tranquille, les filles, avec coup d'éclat et les bandes. Comme ça, bah, vous avez une base blanche. Par exemple, si vous avez de base les dents jaunes, les filles, avec le café, avec la fume, avec de base tout court, les dents blanches, les dents jaunes tout court, de base, bah regardez, de base, vous allez les avoir comme ça, les dents. C'est une cure de 14 jours. De base, vous allez les avoir comme ça. Et plus vous faites, plus ça blanchit les dents. Après, vous allez avoir cette base-là de blanchiment dedans avec les bandes quand vous avez fini le paquet. Et vous faites coup d'éclat à chaque fois. À chaque fois, vous faites un coup d'éclat pour les avoir encore plus blanches et tout, les filles. Coup d'éclat, sans peroxyde naturel. Les femmes enceintes, elles peuvent l'utiliser, c'est sans peroxyde. Les femmes allaitantes, c'est 100% naturel. Les filles, je les utilise depuis 2 ans. Jamais de votre vie, ça va vous abîmer la gencive, ça va vous abîmer les mailles de vos dents, ça va casser les mailles, rien du tout. Les filles, ça reste de la même forme. Les dents, ils restent solides, toujours pareil. Et
Il blanchit les filles, ça fait même pas mal. Ça fait même pas mal tout court. C'est juste un traitement. Les filles, soit vous avez cette box-là, c'est la nouvelle, c'est ma préférée. Parce que celle-là, c'est toute la gamme violette. Donc, il y a tout ça. Donc, dans la box, vous avez les trois là, comme je vous ai dit. Tout. Donc, pour préparer vos dents et après les coups d'éclat à chaque fois. Soit vous avez la deuxième box, les filles. Le deuxième pack, il y a le dentifrice au charbon. Comme ça, vous vous brossez les dents avec tout le temps. Vous avez le sérum. Bah, comme ça, vous avez le sérum, les filles. Donc, mariage, anniversaire, date. Vous avez la poudre blanchissante. Vous avez les bandes 14 jours. Vous avez la brosse à dents en bambou pour vous brosser les dents. Et vous avez la petite trousse avec. Ou soit, vous prenez... Parce que vous prenez ce pack-là, c'est vraiment... Il n'y aura que 3 trucs, les filles. Mais c'est 3 trucs puissants parce que c'est une nouvelle formule. Ça aussi, ils sont très puissants, les filles. Hein. Mais par exemple, en comparant ces deux bandes, les filles, celle-là, c'est coup d'éclat express. Et celle-là, c'est... Coup d'éclat aussi, c'est des bandes blanchissantes, vous aurez un très bon résultat instantanément. Mais les filles, celle-là, c'est coup d'éclat express. Encore mieux, ça va blanchir les filles, c'est la nouvelle formule. Les deux, ils sont sans peroxyde. Pour femmes et hommes, et c'est pour les dents. Et moi, je vous conseillerais que Smile pour les dents parce que c'est moi, je l'utilise depuis 2 ans, les filles. Valeur sûre, le résultat, il est garanti, les filles. Le résultat, comme vous voyez sur moi, vous l'aurez. Il est garanti. Après, ça dépend si vous avez grave de ouf jeune, les filles. Du coup, ça va prendre plus de temps, mais vous l'aurez quand même. Vous aurez comme le... C'est pour femmes et hommes. En tout cas, c'est pour les dents jaunes, les filles. Moi-même, j'avais les dents jaunes avant. C'est pas une honte, les filles. Ça se traite. Vous pouvez acheter genre ça tout seul, ça tout seul. Mais par exemple, vous allez acheter ça tout seul. Ah oui, vous allez acheter ça tout seul. Ça... Après, genre 2 mois après, 1 semaine après, vous allez racheter ça tout seul. Les filles, ça va vous revenir trop cher. Tant prendre le pack d'un coup, soit celui-ci, soit celui-ci. Waouh. 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 Waouh! Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Frère, on t'arrête? Non, je vous montre les filles. Regardez, même dire, il fait faire le mec décoratif là. Regardez les filles. On va voir. Ok, peut-être c'est joli, mais on va voir si c'est bon. Les filles, ça donne envie ou pas? Frère, on t'arrête? Non, je vous montre les filles. Regardez, même dire, il fait faire le mec décoratif là. Regardez les filles. On va voir. Ok, peut-être c'est joli, mais on va voir si c'est bon. Les filles, ça donne envie ou pas? Frère, on t'arrête? Non, je vous montre les filles. Regardez, même dire, il fait faire le mec décoratif là. Regardez les filles. On va voir. Ok, peut-être c'est joli, mais on va voir si c'est bon. Les filles, ça donne envie ou pas? Frère, on t'arrête? Non, je vous montre les filles. Regardez, même dire, il fait faire le mec décoratif là. Regardez les filles. On va voir. Ok, peut-être c'est joli, mais on va voir si c'est bon. Les filles, ça donne envie ou pas? Frère, on t'arrête? Non. Les filles, je vais goûter, je vous dis la vérité. La sauce, elle est bonne. Vas-y, plus. La purée. La purée, elle est pas bonne. Quoi? La purée, elle est pas bonne. Et là, on va goûter la viande. Ah, non, je te dis la vérité, voilà, je te dis la vérité. Mais je suis pas une haineuse, je te dis la sauce, elle est bonne. La viande, elle fond dans la bouche. Mais la viande, je l'ai pas encore goûtée. Je vais la goûter là tout de suite. La viande, elle sent le goût de la viande. J'ai déjà vu que tu rates comme ça. C'est bon, vas-y, tranquille. J'étais mal haineux. Je t'explique, t'as vu ça là? Ouais. Je vais la renverser sur moi, sur son t-shirt ou dans le plaid. Ouais. Et il va avoir une tache bleue. Ouais. Et si il nous dit, ouais, il y a une tache bleue, faut que tu tiennes avec moi et tu dis, mais il n'y a pas de tache bleue. Que tu vois pas de tache bleue. Ok? Mais il ne faut pas que tu lui dises un prank. Non. Pourquoi? Parce que non. Ça tâche pas ton truc. Mais non, ça tâche pas, t'inquiète, t'auras rien. Genre, lui, il va l'avoir. En fait, t'as vu ça? Je dois le secouer. Je le renverse sur le t-shirt. Sur la plaie ou quoi, peu importe, dans le truc. Il va l'avoir pendant 10 secondes. Et elle va s'enlever tout seul. Ça veut dire que tu vas jamais prendre le risque de dire de le tâcher ou quoi. Toi, tu fais rien. Tu dis, mais non, on va pas tâcher.
Non, wesh, on va le rendre fou. Je dis non, mais tout. Mais pourquoi tu veux prendre les gens pour des fous? On va rigoler, wesh. Vas-y, d'autres chemins, Paul. Vas-y, je t'aide. Mais tu le dis pas. Hein. Non, même s'il commence à péter un câble et tout, tu restes jusqu'au bout, tu prends quand même. Vas-y. Vas-y, d'autres chemins, Paul. Vas-y, je t'aide. Mais tu le dis pas. Hein. Non, même s'il commence à péter un câble et tout, tu restes jusqu'au bout, tu prends quand même. Vas-y. Vas-y. Je suis fou, gros. Je suis trop crème. On a fait faux frère. C'est quoi cette tâche? La vie c'est en train de faire une scène. C'est quoi cette tâche? Non, regarde. Quelle tâche? Tu recommences avec tes histoires de tâches? Y'a rien, on est deux à te dire y'a rien. On est deux à te dire y'a pas de tâche. Mais mets ton flash. Mais y'a quelque chose, moi je vois rien. Tu vois quelque chose? Mais non, plus. Non, wesh, tu recommences avec tes histoires de trucs bleus là. Attends. Non, mais mets le film, frère, wesh. Non, non. Attends. Donc là, vous voyez pas là? Non. Avec moi, je vais vous faire avec mon doigt. Comme ça, là. Tu vois quelque chose? Non, je vois rien. Moi aussi, je vois rien. T'es fou, frère. Vas-y, frère. Vas-y, mets le film, gros. T'hallucines ici, là. J't'ai... La dernière fois, il m'a fait la même chose. Non, il est fou. Ah, j'ai compris. On est allé au resto, t'as compris quoi? J'ai compris, c'est mon cerveau. Y'a pas de problème, tranquille. Oui, t'es devenu fou. Mais je vais laisser regarder le film, il sera. Mais j'ai fait quoi, moi? Comment j'atterris là-bas avec la tache bleue? Laisse-moi regarder le film, dérange-toi. Ouais, j'étais un ouf, toi. Non, t'es fou pour les 5 sur des scènes de fou, alors. Non, c'est fini. J'ai demandé l'envie à personne. Donne-lui pas ton avis sans pousser des ailes, lui, il est fou, il est bon. Regardez mon film. Ça va? T'es devenu vieux, ça y est, tu recommences la même crise que la dernière fois, c'est pas grave. Hein. Là, avant j'étais la seule à le voir, là, on est deux quand même à le voir, faut arrêter. Hein. Toi t'es fou, t'es encore sur ça quoi? Touche, donne ta main. Touche, c'est mouillé, touche. Mais t'es mal. Tu sens pas que c'est mouillé? Mais elle était là. Moi je sens pas. Je voulais montrer les gars, arrêtez de foutre de ma gueule. Mais qu'est-ce que tu racontes? Eh, hey, tu me fais la même face que la dernière fois. Arrête. Mais tu veux commencer à faire Philippe pour de vrai là. La vie de frère, la vie, je fais Philippe. Tu me dis il y a une tache bleue, après tu me dis le mou. Tu m'as fait la même chose la dernière fois. Vous êtes sérieux là? Y'a pas, Léo! Mais attends, mais pose le film si c'est pour parler. Laisse-moi regarder le film. Gros, y'a pas de tâche. Depuis tout à l'heure, tu dis tâche. Y'a pas de tâche. C'est pas mouillé. Moi, je sens pas un truc mouillé. Touche là. Là, il met trois doigts. Là. Je touche, frère. Mets-toi les mains moites, je crois, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes les mains moites? La dernière fois, tu m'as fait la touche, même chose. Touche ma main, tu vas voir si j'ai les mains moites. J'ai pas les mains moites, frère. Ouais, je suis à croire, il fait 50 degrés ici. T'es parano, mais le film, c'est une. Mets le film s'il te plaît. Ça arrive, tu sais des moments, tu sais c'est quoi? Des moments, tu vois quand. Mais écoute-moi. Écoute-moi frère. Je t'écoute. Tu vois des moments, t'as des yeux, tu vois flou, tu viens de te réveiller et tout. Ouais, je vois flou des tâches. Tu me pilles des gens avec ses pieds. Ouais, dans le dérangement, laisse-moi regarder le film, remonte faire tes trucs. Je sais pas, frère. Retourne faire tes tutos en maquillage. Elle a vie et ressemble à Ranier le Breton. C'est une dingue. C'est la même chose. Ouais, c'est une dingue. Je viens de parler avec sa femme.
après. Fais l'élastique. Putain, j'aurais jamais dû embarquer là-dedans, c'est ma faute. Hé, hey, Ghost. Ouais, mon général. Du coup, tu me lâches. Wesh, elle me met des coups de pied, toi tu me touches le t-shirt. C'est quoi, je suis. Wesh. Wesh, les gars, détente, les gars. Wesh, regardez un film, je sais pas. Wesh, même un film. Le film il fait 2 heures, ça fait 4 heures je le regarde. Relax. T'as très bien entendu, on est quitte. C'est vrai. Non, voilà, vous êtes. Non, ça va. Non, là, tu vois rien, toi. Moi, perso, je vois rien. On t'a pas demandé ton avis, toi. Wesh, mais quoi, arrête de me toucher. Wesh, il est fou ton mari, pourquoi il me touche comme ça. Wesh. Regarde ton t-shirt. Mon t-shirt, il a quoi, mon t-shirt? Rien, wesh. Pas un t-shirt, c'est un polo, man. Faut respecter. Non, j'ai tiré ça. Il m'a barré le chemin. Mais il a pas tiré. C'est la vidéo. Écoute, lâche mon t-shirt. Lâche mon t-shirt, on va s'embrouiller pour rien, gros. Non mais gros, c'est pas normal. Ah, s'il te plaît, arrête de toucher mon t-shirt. Regarde, c'est... Ouais non, y'a pas de problème, touche le toi, juste regarde. Mais je touche mon t-shirt, regarde. Y'avait un truc bleu. Je peux pas tendre plus mon t-shirt. Tu nous as dit la même chose dans la voiture la dernière fois, tu nous as redit avec la couette, là tu dis sur le t-shirt à mon frère, faut arrêter frère, tu commences à devenir fou. Je te dis la vérité, c'est moi, je vais t'emmener voir un psychologue. Mais tu sais, ça arrive, tu sais, des moments où c'était juste, ils ont un problème. T'es plus... Après, t'es le plus grand. Daltonien, c'est ça qu'on appelle. Moi, je lui ai dit, attends, il m'a dit non. Il a appelé... Ça arrive, c'est malade. Il a appelé son pote la dernière fois. Il lui a dit, ça arrive de faire tu des. Je vais vraiment revoir un médecin. Je lui ai dit. Ah, vous voulez me rendre fou, j'ai mais rendre fou de quoi, frère? Ah, ouais. Moi, qu'est-ce qu'on a à voir, ah, nous? C'est pour faire les buts, ça. Mais c'est toi qui mets le sujet, frère. Ouais, c'est bon, parler plus de ça, moi. C'est toi qui dis, elle est là, elle est plus là, elle est là, elle est plus là. C'est bon, parler plus de ça, moi, j'en parlerai plus. Bon, moi, je vous laisse entre fous, je pars. Bah, là, tu me laisses tout seul. Bah, je te laisse avec le fou. Comment le putain qui se moque de la charité, hein? Quoi? Quoi? Mais on a fait quoi, nous? On a fait quoi, nous? Bon, je vais bien comprendre des moments, elle est un peu chelou. Mais moi, j'ai fait quoi, les soirs? Mais quoi, moi, des moments, je suis un peu chelou? Pas abusé. Bon, vas-y, moi je pars. Jusque je vais le tirer, aller voir un psychologue comme ça, et réalise ça fait quoi de être pris pour un fou. Moi, quand il m'a dit d'être folle, et j'étais pas folle. Au début, et à un moment, je le touche avec mon pied pour qu'il renverse sur lui. Les fils allaient tellement me cramer. Il me disait, mais elle me touche avec ses pieds, elle dit qu'elle bouge son pied et tout. Les fils allaient me cramer. On laisse comme ça, on revient plus tard. On laisse couler comme ça, mais pas trop. Fille, on laisse comme ça, on revient plus tard. On laisse couler comme ça, mais pas trop. Fille, on laisse comme ça, on revient plus tard. On laisse couler comme ça, mais pas trop. Fille, on laisse comme ça, on revient plus tard. On laisse couler comme ça, mais pas trop. Fille, on laisse comme ça, on revient plus tard. On laisse couler comme ça, mais pas trop. Fille, on laisse comme ça, on revient plus tard. On laisse couler comme ça, mais pas trop. Fille, on laisse comme ça, on revient plus tard. On laisse couler comme ça, mais pas trop. Fille, on laisse comme ça, on revient plus tard. On laisse couler comme ça, mais pas trop. Fille, on laisse comme ça, on revient plus tard. On laisse couler comme ça, mais pas trop. Fille, on laisse comme ça, on revient plus tard. On laisse couler comme ça, mais pas trop. Fille, on laisse comme ça, on revient plus tard. On laisse couler comme ça, mais pas trop. Fille, on laisse comme ça. On revient plus tard. On laisse couler comme ça, mais pas trop.
Que ce soit le matin, que ce soit le soir, je l'utilise. Le blanc, c'est mon préféré. Le blanc, c'est mon préféré. Les filles, ça fait tellement du bien. Et quand il est encore froid, genre congelé, je kiffe. En fait, il y a des pierres précieuses. C'est fait à base de pierres précieuses. C'est un anti-ride. Ça détend les muscles le matin, le soir. Ça renouvelle la peau. Ça aide à la circulation du sang. On dirait qu'on est dans un spa, les filles, ça fait tellement du bien. C'est trop bien. Et ça lift la peau. Regardez, les filles, c'est comme ça à mettre dans le frigo. Et regardez, c'est ça les pierres précieuses. Regardez, les filles, c'est comme ça à mettre dans le frigo. Et regardez, c'est ça les pierres précieuses. Regardez, les filles, c'est comme ça à mettre dans le frigo. Et regardez, c'est ça les pierres précieuses. Regardez, les filles, c'est comme ça. Oui, normalement, qui devrait me convenir, les filles, mais moi, le matin, j'ai la peau sèche, en fait. Et la journée, j'ai la peau grasse. Et comme le matin et le soir, à chaque fois que je me démaquille et je me lave le visage, les filles, j'ai la peau sèche, je suis obligée d'utiliser le blanc. Le noir aussi, je l'utilise, les filles, mais de base, c'est lui que je devrais utiliser parce que c'est pour peau grasse, peau mixte, peau à imperfection. C'est le noir de base. Regardez, les filles, le noir, c'est des pierres précieuses aussi, c'est des pierres obsidiennes. Regardez, les filles, le noir, c'est des pierres précieuses aussi, c'est des pierres obsidiennes. Regardez, les filles, le noir, c'est des pierres précieuses aussi. C'est... Mais les filles, c'est à faire, hein. C'est à faire matin et soir. Mettez-le dans le frigo bien froid, les filles. C'est vraiment à faire matin et soir. On le néglige trop, les filles. Même moi, avant, je le faisais pas. Mais depuis que je l'ai, les filles, je le fais tout le temps. Et c'est... C'est Mina qui m'a donné envie, les filles, parce qu'elle est grave assidue quand elle fait son... Tous les matins, elle m'envoie des snaps. Dans les flammes, elle m'envoie des snaps. Elle me donne trop envie, les filles. Mais ça, c'est de la bombe atomique, les filles. C'est pas à négliger. Regardez le noir. Vous allez le recevoir. Regardez déjà le packaging de ouf, les filles. Packaging de ouf. Tellement c'est beau, je vais même pas ajouter. Je vais garder, regardez. Le noir, vous allez le recevoir comme ça. Comme ça. Avec tout. Il vous explique tout derrière. Étape 1, etc. Vous l'ouvrez et vous avez votre roller noir. Celles les filles qui ont les peaux grasses, imperfections, mix, cicatrices, etc. C'est celle-là, celui-là, le noir. Comme ça, vous allez le recevoir trop beau. 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 Comme ça. La même marque, les filles, j'ai mes pinceaux. Vous vous rappelez, quand vous venez vous vous maquillez, vous savez que, hein, par exemple, un beauty blender, vous allez appliquer et le beauty blender, il va vous prendre toute la matière, tout le maquillage et tout. Les filles, quand je le vaporise, la première fois, je l'ai pas fait, j'ai pas vu la beauté de ça, les filles. Parce que les filles, j'avais pas mis de l'eau. Et vous avez toutes créé sur moi, vous avez mis de l'eau. Et les filles, toutes les autres fois où j'ai mis de l'eau, les filles, juste j'applique anti-cerne. Les filles, ça me fait un rendu couvrant parce que ça applique, en fait, ça applique toute la matière de l'anti-cerne et tout mon visage sans que ça prenne de la matière. Les filles, juste ça l'étale, en fait, bien proprement. Ça prend aucune matière, même dans l'anti-cerne, même le concealer. Les filles, ça prend aucune matière. Déjà, les sponges, là, je les valide 1000%. 1000%. De toute façon, dans tous les cas, la dernière fois que je vous ai donné le code, les filles étaient offertes. Il y en a plein qui ont reçu. Puisque c'était offert avec les rollers et tout, les filles. Ça veut dire que vous allez les tester. Vous avez dû les tester. Vous allez me dire. Les filles, c'est sûr, ça prend aucune matière. Les filles, yeux fermés. Et vous allez recevoir aussi les pinceaux quand vous allez recevoir dans ce packaging-là. Les filles, j'ai gardé la botte. Parce qu'elle est trop belle, comme je vous ai dit. Regardez, vous avez tous vos pinceaux là quand vous les commandez. Mais regardez par contre les pinceaux. S'il vous plaît, le poil, il est... Bah, vous voyez les filles, ils sont remplis de poudre. C'est mon pinceau de poudre. Genre par exemple, là, ça marque pas odeur, c'est pour la poudre.
ils sont fins, ils sont souples, les filles. Et ça aussi, aucune matière, les filles, c'est des pinceaux professionnels. Le blush, mais moi, j'utilise pas le blush avec. Je sais pas ce que j'utilise avec. Il est un peu foncé, donc je pense que j'utilise ma poudre et je l'efface, ma poudre, je crois. Ou non, je crois que j'utilise poudre bronzante, les deux poudres bronzantes. Celui-là, par contre, c'est vraiment pour ma poudre. C'est pour l'eyeliner, highlighter. Regardez, je les ai tous remis dans la boîte. Quand vous allez les recevoir, vous les recevez comme ça. Oléa. Regardez, lui, c'est pour mon teint, le fond de teint. Bah, vous voyez, hein, les filles. Faut que je les lave. Lui, c'est pour la poudre. Lui, c'est pour le blush, mais je l'utilise pour la poudre. Lui, c'est pour le bronzer, mais je l'utilise pas pour le bronzer, les filles. Je sais même pas, j'utilise pourquoi, les filles, mais bon, il est utilisé, en tout cas. Lui, les filles, c'est pour l'highlighter, mais j'utilise en poudre. Ça, c'est à sourcils. Ça, c'est pour l'anti-cerne. Mais l'anti-cerne, j'utilise ça exactement. Bref, les filles, c'est des pinceaux professionnels. Hyper souples, fins, beaux. Ils sont beaux, les filles. Ils sont très beaux. Et pour tout le visage. Et très professionnel, les filles. Le poil, il est souple. Les filles, c'est beau, c'est souple, c'est fin. Et ça prend pas de matière. C'est ça, moi, qui me tient. Parce que j'aime bien tout ce qui est couvrant. Ça prend aucune matière. J'aime trop. La réduction, les filles, il y a moins 10% sur les éponges. Il y a moins 15% déjà sur le site, sur ça, les outils de massage. Déjà, je vais les enlever de la boîte, les filles, parce que moi, je les mettre dans le frigo. Et moi, je vous mets moins 30%. Et à partir d'un certain montant, les filles, la livraison, elle est offerte. C'est une marque française, les filles. Ils sont très mini, c'est comme ça qu'on dit, minimaliste sur le packaging, sur tout, les filles. Et c'est des vraies pierres précieuses, les filles. Ça, dites-vous, le roller, vous l'achetez, vous le gardez toute votre vie. Toute votre vie. Genre, c'est pas vous le rachetez tous les mois ou tous les 5 mois. Les filles, toute votre vie, vous le gardez, le roller. Il va jamais s'user. C'est le vôtre. C'est à vous, toute votre vie. Vous l'achetez qu'une seule fois. Au moins, vous l'avez. Par contre, il faut que je les lave, les filles. Regardez, ils sont tous sales. Je vais les laver maintenant. Tous, ils sont sales, les filles. Même les éponges, je les prends. Je vais les laver maintenant. La dernière fois, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient qu'ils connaissaient cette pierre précieuse. Moi, au début, je la connaissais pas, les filles. Mais renseignez-vous. Les pierres précieuses, je vous les ai écrites. Renseignez-vous, vous allez voir, les filles. Puis regardez bien la forme de ça. Et en fait, c'est maintenant que je viens de réaliser que les éponges, ils ont la même forme que l'outil de massage. Puis regardez bien la forme de ça. Et en fait, c'est maintenant que je viens de réaliser que les éponges, ils ont la même forme que l'outil de massage. Puis regardez bien la forme de ça. Et en fait, c'est maintenant que je viens de réaliser que les éponges, ils ont la même forme que l'outil de massage. Puis regardez bien la forme de ça. Et en fait, c'est maintenant que je viens de réaliser que les éponges, ils ont la même forme que l'outil de massage. Puis regardez bien la forme de ça. Les filles, j'ai tout lavé et j'ai tout rangé comme ça, là, c'est propre. Les filles, j'ai tout lavé et j'ai tout rangé comme ça, là, c'est propre. Les filles, vous savez, moi, ça fait 2 mois ou 3 mois. 2 mois, non, 3 mois. Je me rappelle plus, ça fait combien de temps exactement. Soit 2 mois, soit 3 mois, mais que je suis plus en agence. Et c'est pas mon assistante, parce que ça serait un gros mot, mon assistante. C'est vraiment pas mon assistante, genre elle s'occupe pas de mes trucs, de ma vie. Mais la personne qui me gère, entre guillemets, genre par exemple, qui parle avec les marques, etc.
La personne que j'ai pris, elle s'appelle Kenza. Et moi, il le sait. Je vais pas dire c'est mon assistante, les filles. Je vais pas dire c'est mon assistante parce que assistante pour moi, c'est quand elle te fait tous tes trucs dans la vie de tous les jours. Et les filles, moi, elle me fait rien dans ma vie de tous les jours. Je fais tout toute seule. Mais elle s'occupe de moi niveau travail parce que les filles, j'essayais de le faire toute seule au début. Impossible, j'ai pas réussi. Donc, elle s'occupe de moi, etc. Là, je vais faire genre, j'ai un appel avec Kenza. Et je vais faire genre, tranquillou, je vais faire genre. Moi, on m'a tout le temps demandé pour faire de la télé en réalité, les filles m'ont tout le temps demandé, j'ai tout le temps refusé. Toute ma vie, j'ai refusé parce que je ne ferai pas jamais, je vais faire de la télé en réalité. Et lui aussi, je sais, les filles, que si. Après, je ne vais jamais parler de ça, mais je sais, les filles, si un jour, genre par exemple, là, je fais genre, je parle avec 15 ans. Et que je vais faire une télé. Télé-réalité, comme il sait que travailler avec moi les filles, automatiquement il va dire, quand il va entendre télé-réalité, il va croire que c'est vrai, genre travail. Et puis je vais dire qu'il y aura 10 hommes, 10 femmes, télé-réalité dans une villa, etc., etc. On va voir sa réaction, il va péter le seum. Parce qu'en fait, il y a des informations qui sont vraies. C'est-à-dire que je vais parler avec Kenza, etc. Mais je pouvais pas venir vous dire Kenza directement parce que les filles, vous allez pas comprendre. C'est pour ça que j'étais obligée de vous dire que, de toute façon, vous le savez que j'étais plus en agence, les filles. Mais j'étais obligée de vous dire parce que moi, je suis plus sous cours et je travaille avec personne, à part la seule personne, elle s'appelle Kenza, les filles, elle est inconnue au bataillon. Il y a personne qui la connaît, il y a que moi qui la connais. Aucune influenceuse la connaît. Comme ça, vous faites pas de lien ou quoi, les filles. Il y a personne qui la connaît, les filles, il y a que moi que je la connais. C'est de mon entourage en moi. Et lui, c'est que c'est quelque chose. Donc là, c'est pour ça que là, il va croire à 1000% que genre je vais faire de la télé-réalité et tout. Je vais lui mytho et tout, comme ça, on va voir sa réaction. Je vais lui faire. Je vous expliquais le prank, les filles, mais en vrai de vrai, je vous l'avais pas dit ça et depuis, je devais vous tenir au jus. Mais du coup, moi, je suis plus en agence depuis, les filles, je suis toute seule, j'ai changé ma boîte mail. Kenza, les filles, je sais pas si on va dire ça, elle travaille. J'aime pas dire elle travaille pour moi, parce que ça, j'aime pas les mots comme ça, mais genre, on va dire on travaille ensemble, les filles, mais c'est moi qui. La paye quoi, je préfère c'est moi je la paye, elle est bien les filles hein. Je la mets max, elle a son salaire et tout, et les filles elles m'organisent tout. Sauf que les filles, je vous dis la vérité, on se prend tout le temps la tête, enfin c'est surtout moi, je crie tout le temps, je suis très impulsif, très impulsif les filles. Moi je suis très stressée, je veux tout qui soit en règle, ça, c'est pour ça les filles, enfin bref, voilà, c'est Kenza les filles. Et moi, comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, mon WhatsApp Pro, il est connecté à mon autre téléphone et elle est connectée à son PC. Et c'est elle qui a accès à la boîte mail, qui a accès à WhatsApp. Et moi aussi, j'ai un peu, genre, je fais coucou des fois aux marques, coucou, avec mon autre téléphone et je repars. Mais voilà, les filles. Ouais, en soi, je suis que là ici. J'ai pas besoin d'être là-bas, les filles, mais je préfère ça, les filles. C'est un apaisement quand même. Je l'ai acheté où, les filles? C'est quand je suis descendue en Belgique pour l'aide, les filles. Je l'ai acheté dans un magasin là-bas, de prank. Comment vous voulez que je vous fasse des collabs pour les pranks, les filles?
Ça existe pas et je compte pas le faire, les filles. Mes pranks, c'est mes pranks. Et quand vous me demandez des codes et je vous donne des codes, je vous donne, les filles. Et comment vous voulez que je vous fasse des collabs pour les pranks, les filles? Ça existe pas et je compte pas le faire, les filles. Mes pranks, c'est mes pranks. Et quand vous me demandez des codes et je vous donne des codes, je vous donne, les filles. Et comment vous voulez que je vous fasse des collabs pour les pranks, les filles? Ça existe pas et je compte pas le faire, les filles. Mes pranks, c'est mes pranks. Et quand vous me demandez des codes et je vous donne des codes, je vous donne, les filles. Comment vous voulez que je vous fasse des collabs pour les pranks, les filles? Ça existe pas et je compte pas le faire, les filles. Mes pranks, c'est mes pranks. Et quand vous me demandez des codes et je vous donne des codes, je vous donne, les filles. Comment vous voulez que je vous fasse des collabs pour les pranks, les filles? Ça existe pas et je compte pas le faire, les filles. Mes pranks, c'est mes pranks. Et quand vous me demandez des codes et je vous donne des codes, je vous donne, les filles. Comment vous voulez que je vous... Non, les filles, pas mon agent, pas mon manager, parce que je suis pas en agence. Mais genre Kenza s'occupe de tout ce qui est, par exemple, exemple, une d'entre vous n'a pas reçu son colis, il y a un peu de retard de livraison, les filles. Bah moi je vois le message où elle contacte ma boîte mail, direct Kenza le traite, elle va parler avec les marques. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est elle qui gère tout, quoi. C'est pas moi qui moi je fais juste passer le message, quoi, quand je le vois. Par exemple, quand vous me demandez ce code-là pour là, pour cette marque-là, les filles, bah je dis à Kenza, Kenza demande avec la marque. Quand il y a déjà des codes prévus, j'ai des big big gros codes prévus d'un coup surprise. Bah, c'est elle qui me gère tout les filles. Je vais pas dire agent ou manager parce que je suis pas en agence. Il y a que moi et elle qui travaillons. Mais je sais pas comment on peut le dire. Les filles, je sais pas comment on peut le dire. Assistante, mais pas assistante parce qu'elle s'occupe pas de mes papiers. C'est moi je le fais toute seule. Enfin, je sais pas les filles. Dans tous les cas, je crie tout le temps sur elle les filles. Comme ça vous savez. Si elle arrête de travailler avec moi, je suis en train de pleurer sur Snap. Je crie tout le temps sur elle. Dans tous les cas, je crie tout le temps sur elle, les filles. Comme ça, vous savez. Si elle arrête de travailler avec moi, je suis en train de pleurer sur Snap. Je crie tout le temps sur elle. Dans tous les cas, je crie tout le temps sur elle, les filles. Comme ça, vous savez. Si elle arrête de travailler avec moi, je suis en train de pleurer sur Snap. Je crie tout le temps sur elle. Dans tous les cas, je crie tout le temps sur elle, les filles. Comme ça, vous savez. Si elle arrête de travailler. Aussi. J'aime bien ça aussi. Jamais. Il n'y a personne qui travaille pour moi, jamais. On travaille ensemble. Même si, en vrai de vrai, si on classe, oui, ils travaillent pour moi. Mais puis moi, genre, j'aime pas ce mot-là, travailler pour moi. Donc, je ne dirais jamais employé, je dirais plus. Même si tu travailles pour moi, je vais dire on travaille ensemble. Je vais jamais dire tu travailles pour moi. Jamais. Je déteste ça, les filles. De me sentir juste supérieure, je déteste. Attends, Kenza, 2 minutes. Attends, 2 minutes, raccroche pas. On mange quoi? On mange d'or? On commande. On va sortir. Tu veux que je cuisine? Avec Kenza? Ou je cuisine? Non, on va manger d'or. Ouais, tu me disais Kenza? Donc 10 hommes et 10 femmes. Ok. Ok, et c'est 10 hommes et 10 femmes. Ok. Ok, Kenza. C'est quelle date? Dis-moi les dates. C'est les dates les plus importantes. Mais je crois carrément, ils, dans les programmes comme ça, ils prennent les téléphones. Non, moi, j'ai besoin de parler aux filles sur Snap. Je suis vraiment... Attends, quel coup là? Ok, attends, je vais t'expliquer. Ok, Kenza. Ouais, bah vas-y. Franchement, je... Dortoir mix. C'est mort. Moi, il n'y a pas de dortoir mix. Enfin, genre, moi, je dors pas avec un homme. Non, attends, je parle, je vais t'expliquer. Je dors avec des filles ou dors toute seule déjà, moi. Tu me connais, j'ai peur quand même un peu. Ok. Faut descendre à Paris pour signer les contrats. Ok. Ok. Mais non, quoi? Tu sais même pas de quoi je parle. Attends, Kenza, tu sais même pas de quoi je parle. Vas-y, fais l'appel téléphonique avec la prod. Rajoute-le, là. Hello! J'espère que vous allez bien. Moi, ça serait d'accord pour participer au programme TV. Allô, Kenza, il n'y a pas de TV, il n'y a pas de. Il y a erreur. Allô? Allô? Ça va? Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de A, de B, de C, de radio, de. Vous êtes fou ou quoi? Mais t'as pas capté que le téléphone il est éteint.
Ils ont raccroché. Ah, oui, c'est éteint, il n'y a plus de batterie. Tu connais très bien mon avis sur ça. Ton avis sur ça. Toi, tu veux que je reste qu'avec mon Snapchat. Déjà, mon Snapchat, tu voulais me l'enlever. Toi, tu vas m'enlever de la vie, toi. Et si j'ai envie de faire de la télé-réalité. Arrête ta soeur, s'il te plaît.